De toute la force des 2400 chevaux de sa locomotive, le Rapide fonce dans l'ombre épaisse. Soit sereine ou désolée d'un vent de neige, qu'elle offre une visibilité parfaite ou qu'il faille difficilement repérer le signal au bout de la voie, mécaniciens et chauffeurs sont à leur poste. À 120 km à l'heure, 650 tonnes parcourent le rail dans un bruit de tonnerre. Deux hommes, une équipe, le mécanicien et le chauffeur de route, calmes, sûrs d'eux-mêmes comme de la puissance du monstre qui les emporte, conscients aussi de leur lourde responsabilité. Maître de la force brutale qu'il tient en son pouvoir, le mécanicien veille, tandis que son compagnon entretient inlassablement la vie ardente de son insatiable machine. La qualité première du mécanicien, c'est la vigilance, une vigilance constante. La nuit, il doit forcer et doubler son attention, malgré une connaissance de son parcours telle qu'il semble y voir comme en plein jour. À l'heure. Ce n'est pour les voyageurs qu'un balancement agréable, une invitation au sommeil. Ils peuvent dormir tranquilles. On veille sur leur sécurité. C'est l'étape. La locomotive, qui vient de parcourir 150 km, regagne un dépôt où elle va demeurer pendant la coupure de nuit, tandis que le train, remorqué par une autre machine, poursuit sa route. L'équipe va pouvoir se reposer quelques heures dans les locaux d'étape. Tels de bons cavaliers, les deux hommes prennent soin de leur monture avant de songer à eux. Il faut apaiser le foyer. L'embiellage et les roues sont minutieusement vérifiés. Le bureau de la feuille va confirmer le train qu'il s'agira de faire, comme ils disent, à la reprise du service. Qu'est-ce que je fais? Mire-toi. Entendu. Un coup d'œil sur le tableau des chantiers de travaux sur la voie. Rien de nouveau, toujours ce ralentissement à 30 sur 600 mètres au kilomètre 468. Enfin libre. Et maintenant au lavabo.